mais je comprends pas, les gars, parce que... excusez-moi, désolé, je crois que j'ai joui. Attendez, il y a des... Oula, qu'est-ce qui se passe, là, attendez. Cassez-vous tout de suite. Mais pourquoi vous me... Attendez. Écoutez, cassez-vous tous, là, cassez-vous tous. Calme-toi, pour libérer le monsieur, on vient voir qu'est-ce qu'il faut faire pour libérer le monsieur. Les gars, on aimerait savoir le concert de Christine and the Queens. Fais quoi? Non! Vous avez compris, vous habitez? Bah, il allait me buter, je l'ai tapé avant, hein. J'ai pré-shoot. Hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais on avait dit merde! On avait dit chier, putain! On fait moi le malin, non? Bah alors? Ouais. Ah, super ça! Moi, c'est Fred, et vous? Vous avez l'air bien sympathique. Enchanté, Jean. Ouais, on a pris le même Uber, mais j'ai l'impression que dans cette ville, il y a des gens pas très recommandables. Bah, c'est un peu flippant, quoi. Le mec, il est là, il y a un autre mec avec lui. Moi, je m'attendais à une scène d'amour, quelque chose, tu vois, genre une embrassade, qu'ils allaient mettre un cadenas sur un pont pour se déclarer la flamme. Qu'est-ce qui se passe? Le monsieur, il veut tirer sur les gens, quoi. Putain, c'est dommage. Moi, la semaine prochaine, je vais aller au Bataclan, je dois regarder un... Je vais aller voir un concert, quoi. Ouais, c'est du quoi? C'est du punk rock? Christine and the Queens, elle est en showcase à la Fnac et juste après, elle est en concert, quoi. J'espère qu'on va pas se faire emmerder comme la dernière fois, quoi. Sans déconner. Non, sérieux, parce que si c'est comme ça, je fais que la première partie. Oh, mais super. Ah ouais, j'ai vu que demain, il y avait les bébés burnes aussi. J'aurais bien aimé y aller. Ça va être une sacrée tuerie, quoi. Niveau du son, quoi, des baffes. Alors, il se tue d'un disperact sur la connexion des pitchs et des patchs. Ouais, mais dans ta poche, ouais. Pourquoi on se fait tirer dessus? Je me suis fait sécher, hein. T'es mort? Voilà. Ouais, attends, je descends. Non, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, vieux? Fais quoi, toi? Bouge pas, bouge salut. Pas. Salut. Ouais. Ah, et toi, c'est bon. Ok, bon, alors lui. Oh, mais putain, il est trop nul! Je l'ai vu la voiture qui passe! Il l'a raté! Ah, bah voilà! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu m'as buté, quoi, mec? T'es sérieux? On avait dit merde! Vous êtes braqué, vous sortez un couteau, vous me plantez comme ça? Non, alors je t'ai pas planté, c'est le Uber. Nous sommes clients en fait du Uber, on a rien fait. Ah, on est blanc. C'est taxi? Bah oui, c'était le noir qui a agressé. Arrêtez de mentir, je suis pas ton taxi. Pourquoi vous mentez? Non, c'est Uber, mec. On est Uber, on était passagers, mais il est con. On est pour la conduite éco-responsable, les taxis, on sait qu'ils le font pas, ça. Bah attends, je vous ai pointé comme ça qu'il aime, je vous ai porté. Ouais, on allait jouer, tu nous as même pas laissé jouer en fait. Attends, ton collègue, pourquoi quand j'ai mis une tête, ton collègue il est pas mort? Bon, écoute-moi, espèce de petit con. On a joué la scène comme il fallait. Pourquoi à un moment t'as commencé à sortir ton arme et faire du free kill? Ça fait deux fois là maintenant. Écoute, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit partir la sortie. Arrête de pointer ton arme, putain de merde là. Oh, c'est bon, on est là pour jouer ensemble, on est là pour se braquer, tout le monde se tue là. Eh ben bon, vous dites partir, vous venez dans les scènes comme ça vous regarde, vous connaissez le gars, non? Vous venez casser la tête. Non mais sérieusement, tu commences à nous ennuyer là. On est là juste pour jouer RP et tu commences à nous buter, mec. Il est où le sens du RP dans tout ça là? Je vous ai buté pourquoi? Parce que attends. Tu sais pourquoi je vous ai buté? Quoi? En fait, mon collègue, j'ai mis une tête, il est pas mort. Du coup, j'ai des doutes sur lui. On vient de te dire, mais t'es con ou quoi? C'est un Uber! T'as bien vu sa couleur de peau? C'est un putain d'Uber! Nous on est blancs, on se fait livrer! Eh bah, quand j'ai mis une tête, pourquoi il est pas mort? Tu commences à me faire chier, putain! Mais on est je suis là tranquillement à faire ma soirée, putain! Je quitte le taf! J'ai envie d'être tranquille pendant ce putain de week-end! Il faut qu'un connard de pige viens de faire chier, niquer mes scènes! Tu vas faire quoi? Évite de... Je vais rien faire! Je vais jouer ma scène! On va reprendre là où on en était! Crois pas qu'on est sur Go City ou je sais pas quoi là! Y'a pas de Go City! Tu parles pas mal de Go City, fils de pute, je suis commandant là-bas! Qu'est-ce que tu parles là? Tiens, il me casse les couilles! C'est un cheater! Frère, c'est des modeurs, j'en mets une tête, il meurt pas, frère! Mais quoi? Mais c'est nous les modeurs, mais regarde, c'est rien! Tu viens de nous sécher, mec! Écoute, genre, c'est des trollers, je dis, quoi, il commence à parler à la charpe, je dis crois pas qu'on est pas sur Go City. Il me dit quoi? Il me dit tu parles pas mal de Go City comme ça. Donc voilà, là que tu viens de me buter, t'as vu, je suis pas un modeur. Tu m'as mis une balle, je suis mort, je suis pas un modeur. D'ailleurs, j'avais une tête, pourquoi t'es pas mort? Mais mec, j'ai juste pas visé, c'est tout, mec. Lui c'est le Uber. Tu vois bien qu'il a une dégaine d'étranger. Je t'ai caché derrière un arbre. Je peux pas venir sortir mon couteau, mec. Tu vas rien faire, mec, t'es qui? Non, vas-y, mets-moi une tête. Tu vas faire quoi dans le jeu? Oh là là, on était en scène RP, le bip pète un plomb. En plus, nous on est des pacifistes dans le jeu. Il a pris. Putain, pas d'armes. Non, mais je comprends pas quoi, on est là. Monsieur l'admin, pouvons-nous reprendre la scène là où on était? Ouais, en fait, c'est le Uber. Malheureusement, on est tombé de ce monsieur. Ouais, merci, il était en train de pointer une arme à un autre. Il a commencé à s'énerver et à nous tirer dessus. Je crois qu'il est jeune, il doit avoir 17 ans max. J'aurais dit 14. Bien dit, donc, ce monsieur là, l'Uber, vous savez très bien qu'aujourd'hui aux États-Unis on a le droit d'avoir un port d'armes pour se défendre. Il s'est défendu alors, certes, à l'arme blanche, mais c'était complètement légitime. Exactement. Et ensuite, il est revenu là juste devant vous, il a commencé à nous retirer dessus, et je n'ai pas compris. Ça a été trop loin. Certainement de l'ego RP. De toute façon, il s'est pris un kick et s'il revient. Ban, ça serait mieux, je pense. Pendant une journée au moins. Un ban 30 minutes. Parce qu'il va revenir, revenge. Oui, bah, s'il revient, qu'il fait ça, vous faites un report, moi je viens, et il se mange un ban, c'est bon? Vous lui niquez sa mère ce coup-ci. Hein. Voilà, mais là, je peux pas les ban direct, mec. Mais qui est le super admin?
admin. Je sais même pas c'est qui. Pour les projets RP de gang, etc. Comment on fait? On les propose? On les soumet à qui? À l'helper? Non, vous pouvez soumettre ça. Normalement, il y a un salon. Ou directement au fond d'art. D'accord, moi, très bien. J'ai fait un projet il y a, je sais pas, il y a 3-4 jours, j'ai jamais eu de réponse. C'était ouais, on faire un mix entre les Vagos et les Balas, je voulais appeler ça les Bolos, habillé en, tu sais, pour changer un peu les codes couleurs et tout, faire un gang, et j'ai jamais eu de réponse. Quoi. Ah, voilà. Alors voilà. Il est là. J'espère qu'il va s'excuser. On fera pas de scène avec toi, monsieur. Ouais, allez, dégage, toi. C'est bon, fais plus de scène avec toi. Victime moi, que c'est t'es. Fini, mec. Descends de ta voiture, mec, pourquoi tu fuis? Vous êtes pas content? Allez, vous mettez tous ces mains en l'air, si vous êtes pas content, voilà. Quoi? Comment ça, on a rien fait? J'ai pris l'autre, la boxe pour moi, j'ai braqué l'autre otage pour un braquage. Mais maintenant, c'est vous qui êtes. Mais pourquoi tu nous rebraques là direct? Pourquoi tu nous rebraques? On a rien bah fait. Voulez, quoi. Bah, je sais pas, vous voulez faire mais une scène. T'es malade toi? Écoutez, j'allais braquer l'autre. Pourquoi c'est. Bon bah il est mort. Mais putain il s'est fait écraser. Le mec repop là et il nous rebraque quoi. Il nous rebraque encore quoi. Le mec nous rebraque, cet abruti de merde. Il nous a rebraqué là. Je crois qu'il a pas compris la leçon. Vas-y on reprend la scène. Non on va rien reprendre parce que tu nous agresses. Quelle scène? Putain, t'as été kick. Respecte les admins maintenant, respecte-toi. Putain quoi. Sérieux. Mais pourquoi tu réagis comme ça avec ton arme? C'est le prolongement de ta petite bite. T'es con va. On joue pas de scène avec toi, dégage maintenant. Putain. Putain, c'est dingue! On veut faire une scène à chaque fois, il sort son gun, ce con! Bon. Ouais, super. Ouais. Ouais, super, on va se détendre. Bon, on va prendre une bagnole. Salut, je voudrais savoir. Il est où le skatepark ici, les gars? Ouais, on venait voir. On aurait aimé savoir si vous aviez de la culture de plantes. Ah, parce qu'on cherche le botanique en fait, mais sur le GPS, c'est pas indiqué quoi. Toi qui es en vélo, tu recules un peu. Ok. Ok, ok, désolé. J'avance, recule, c'est bon, j'ai dansé la Macarena. Trop de délire. Ah non, mais il est avec nous, lui. En gros, je veux savoir, on cherche le botanique, on aimerait mettre à la pousse de plantes, quoi. On est vachement herboriste avec Paris. Ok, tu sais ce que tu fais? Regarde. Ouais. Tu regardes ton petit GPS, tu vois? Ouais. Il y a une petite épicerie à côté, ça vend du basilic, tu vas faire ça, ok? Mais le basilic, c'est une plante verte, quoi. C'est les aromatiques. Vous voulez un peu de poppers? J'ai l'impression que vous aimez bien, vous, entre vous deux, non? T'as dit quoi? T'as le caca, j'ai ça. Moi, je dis, tu veux un peu de poppers? Il se trouve où le skatepark? J'aimerais. En fait, je suis un pote à Matt Hoffman. Non, toi tu restes dehors. Vous restez dehors. Moi, je suis un freestyler BMX, les gars. Déjà ton pote de parquet. Eh frère, eh, vous êtes dans notre quartier, on est 500 ici. Ouais, c'est ça, pour l'instant. Non, vous êtes deux là. Attends, je laisse mon vélo. Il va certainement être volé par un noir comme toi, je suis sûr. Quoi? C'est qui vient de dire ça là? Volez pas mon vélo, les gars, vous l'avez fait sur la 32ème. S'il te plaît, Audi, laisse-moi les enclencher. Il a dit quoi? Attends, il est haut comme 4 pas, il veut nous enclencher. La vieille mère, c'est un homme. Hein, vous voulez faire quoi là? Par contre, vous allez pas vous en prendre à mon ami, les gars. On est là pour de la marchandise, les gars. Moi, je veux bien parler, mais faut que tu te taper, quoi, être menaçant, quoi. La prochaine fois que tu me proposes du poppers, quoi, on parlera pas. C'est ce que c'est le poppers au moins? C'est végétal, mec. Par contre, ne parle pas comme ça parce que arrête de faire le gros dur alors que t'as à peine 12 ans. Top délire. T'as dit quoi? Non, j'ai rien dit. J'aurais dit 12 ans et demi, quoi. Super. Dans ton sac à dos, c'est quoi? Il y a des caplas? Tu veux voir ce qu'il y a dans mon sac à dos? Viens, on va faire une tour, toi et moi. Allez, viens. Ouais, viens, vas-y. Ouais, vas-y, viens, on va faire une tour, toi et moi. Vas-y, c'est ça, votre quartier, mais c'est complètement hachelagué, on dirait des HLM. Ferme ta gueule. Ça sent la parabole. Top délire. Ça sent le doggy style, on dirait de la foutrine. Attends, me dites pas qu'il y a vos mères qui sont cannes ici. Putain. C'est sûr, ton père, il a joui. T'as demandé de suivre, toi? T'as demandé de nous suivre, toi ou pas? C'est bon. Donc ici, on n'est pas deux, on est au moins 50. Ok, d'accord. Mais en tout cas, les 50. J'ai peur dehors. Ouais, bah tu te casses. Bon, bah les coups, tu sors. Eh, hey, Dalida, il va se calmer. On verra ça après. C'est pas vrai, tu t'es fait de la ronède. Oh la honte. Ah, loupé. Oh putain, attention, mon pote. Fais attention. Allez, arrêtez de m'agresser, je suis blanc. Bon, bah les couilles. Essaye. Attention, c'est un crime racial. Ah, oh, vous allez payer, les gars. Vous venez d'agresser un blanc. Vous êtes écarté là? Moi, je suis là-haut. Moi, je peux pas, je suis couché au sol. Ah, bon, bah voilà. Oh, et quand tu pètes, tu trouves ton slip. Oh, super. Sérieux, c'est toi qui as fait ça là? Oh putain, ça brûle. On dirait la chatte de ta mère, ça m'a mis le feu. Oh super! Ah, top délire! D'ici, c'est trop marrant de voir un cube là. Ouais, c'est vachement moi qui ai fait ça, c'est pour ça que je prends feu et que je suis au sol, ouais, c'est moi qui fais ça, t'es c'est prêt à mourir. Oh, tu t'es fait chioten, mec! Oh la honte! C'est quoi ça? Attends, non, vas-y, on fait pas de transaction de drogue avec vous, les gars. Par contre, t'as fait pour te relever? Comment tu fais pour tirer la chasse? Sérieux? Tu suces la. Putain, c'est deg! C'est dégueulasse! Comment t'as fait pour te relever? En même temps, avec le nombre de trucs merdiques que tu dis, au moins. Non, mais fais-le, non, mais sérieusement. Oula, attends, oula, t'es en train de. On va se faire banner, on se casse. Vas-y, on se casse, on se met dans la merde. Ah, bah, moi, je suis pas tranquille. Ah, merde, y'a les pompiers, quand même. Bah, je me suis fait ban. Ah, putain, ban.